On s'est retrouvé mardi 27 juin à 8h10. On nous a prêté la Mercedes. Nous étions ni sous alcool, ni sous ballon, ni sous rogue. Nous étions en train de rouler quand j'ai aperçu les motards de la police qui se sont mis à nous suivre. Ils ont mis les gyros. On a fini par s'arrêter au niveau de la rue Pasteur François Arago. Au premier policier est venu à demander à Naël de baisser la fenêtre, ce qu'il a fait, Naël. Il a baissé la fenêtre. Et il lui a dit, coupe le moteur ou je te shoote. Et lui a mis un premier coup de crosse. Ensuite, le deuxième est arrivé, lui a aussi mis un coup de crosse et s'est placé au niveau du pare-brise face à Naël. De là, le premier lui braque une arme sur la tempe et lui dit, bouge pas ou je te mets une balle dans la tête. Le second policier lui dit, shoot-le. Le premier policier lui remet un coup de crosse. La voiture, c'est une boîte auto. La voiture n'était pas sur parking. Au moment où il a reçu le troisième coup de crosse, son pied a lâché la pédale de frein et la voiture a avancé. Et le second policier qui était au niveau du pare-brise, du coup, son pied, il a enfoncé l'accélérateur. Je l'ai vu agoniser. Il tremblait. On a percuté une barrière. J'ai eu peur. Je suis sorti de la voiture. Je me suis enfui. Je pensais que même moi, il pouvait me tirer dessus, du coup.